La région des Pays de la Loire vous présente la folle minute de Schubert. La sonate pour arpégione et piano a été écrite par Schubert pour son ami Vincenz Schuster, grand guitariste et virtuose de ce nouvel instrument, l'arpégione. Inventée l'année précédente par le luthier Johann Stoffer, l'arpégione est une guitare violoncelle à six cordes ou guitare à archet. Mais très vite, ce nouvel instrument est oublié, car c'est très difficile à jouer. Schuster créera cette œuvre en 1824 avec Schubert au piano et c'est en 1871, c'est-à-dire 47 ans plus tard, que cette sonate sera publiée. Aujourd'hui, elle est toujours jouée avec un violoncelle et c'est l'une des pièces les plus connues des violoncellistes. La région des Pays de la Loire vous a présenté la folle minute de Schubert.